Quelques points importants avant de savoir utiliser un défibrillateur automatisé externe, dit DAE. Installer des défibrillateurs automatisés externes va bien au-delà de la mise en conformité avec la loi. En effet, un accident cardiaque peut arriver sans alerte ni problème de santé, que l'on soit jeune ou pas. C'est pour ça qu'il est important de savoir utiliser un défibrillateur cardiaque, car il permet de sauver des vies à tout moment et en tout lieu. Lorsqu'une personne est victime d'une fibrillation ventriculaire, la défibrillation à l'aide d'un défibrillateur cardiaque est le seul traitement qui permet de resynchroniser les battements du cœur. Vous avez moins de 4 minutes pour agir. Au-delà, chaque minute passée, c'est 10% de chances de moins de survie. Ainsi, sans assistance, la personne mourra au bout de 10 minutes. Depuis 2007, un décret stipule que toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur sans formation. Nul besoin d'être urgentiste ou médecin. C'est pourquoi l'utilisation du défibrillateur cardiaque a été rendue très simple. Il vous guide vocalement, pas à pas, lors de l'intervention. Il n'y a aucun risque de se tromper, car s'il y a une anomalie cardiaque, le défibrillateur décide seul s'il y a lieu ou pas de délivrer un choc. Le défibrillateur cardiaque intègre également un détecteur de pacemaker. S'il détecte une personne qui en est équipée, il ne délivrera aucun choc. Alors n'hésitez plus, utilisez le défibrillateur cardiaque dès que possible. Vous venez d'acquérir un défibrillateur iPad CE Médical. Il comporte des guides vocaux et fournit les indications nécessaires pour assurer un sauvetage rapide de la victime. Il est fourni avec sa housse de transport, un jeu d'électrodes, une batterie et un kit de secours. Face à une personne au sol, vous devez vérifier son état de conscience. Mettez vos mains dans ses mains et posez-lui une question et un ordre. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez la main. Ouvrez les yeux. Ma victime est inconsciente. Si vous êtes seul, vous allez devoir demander de l'aide. À l'aide! Au secours! Vérifiez ensuite la respiration de la victime. Pour ce faire, mettez une main sur le front et deux doigts sous le menton. Et effectuez une bascule prudente de la tête en arrière. Vérifiez maintenant la respiration. Placez votre joue près de sa bouche pour vous assurer qu'aucun souffle n'est perceptible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Si au bout de 10 secondes, il n'y a toujours pas de signe de respiration, votre victime est en arrêt cardio-respiratoire. Vous devez commencer un massage cardiaque. Avant de commencer, appelez les secours si vous êtes seul, le 15 ou le 18. Vous avez un défibrillateur à proximité. Prenez-le et posez-le près de la tête de votre victime. Quelques mesures de précaution sont à savoir. Si la poitrine de la victime est humide, séchez-la avant de fixer les électrodes. Si les électrodes n'adhèrent pas à la peau, rasez ou coupez les poils gênants. Si la victime porte des patchs médicamenteux sur la poitrine, retirez-les. Ôtez tous les bijoux en métal qui pourraient toucher les électrodes. Si la victime est porteuse d'un stimulateur cardiaque, ne disposez pas les électrodes dessus mais en dessous. Allumez le défibrillateur en appuyant sur le bouton vert On-Off. Suivez les instructions de l'appareil. Ouvrez le couvercle de l'appareil. Ouvrez le défibrillateur. Si le patient ne réagit pas ou ne respire pas, dénudez la poitrine et le ventre. Enlevez, coupez les vêtements si nécessaire. Afin de pouvoir placer les électrodes au bon endroit, regardez les instructions présentes sur l'emballage et sur les électrodes elles-mêmes. Vérifiez que le raccord bleu et blanc des électrodes est connecté au défibrillateur. Utilisez le masque bouche à bouche fourni avec votre kit de secours. Maintenant, détachez la protection blanche de l'électrode marquée RA. Suivez les instructions fournies par le défibrillateur cardiaque pour poser les électrodes. Vous pouvez également vous aider des illustrations présentes sur les électrodes elles-mêmes. Lorsque les électrodes sont correctement posées, le défibrillateur lance automatiquement une analyse. Préparation du choc en cours. Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque. Avant de choquer, bien vérifier que les personnes autour soient bien écartées d'au moins 2 mètres. Si un choc électrique doit être administré, appuyez sur le bouton de choc clignotant. Le défibrillateur procédera toutes les 2 minutes à une nouvelle analyse. À la fin de chaque analyse, avec ou sans choc, vous devez impérativement reprendre le massage cardiaque. Pour ce faire, placez le talon de la main au milieu de la poitrine de la victime, puis votre deuxième main sur la première en les croisant. Vos coudes doivent être verrouillés et vos bras tendus. Comprimez verticalement le sternum en l'enfonçant de 5 cm environ. Alternez 30 compressions thoraciques et ensuite 2 insufflations. Vous ne devez jamais vous arrêter. Continuez jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent en charge la réanimation cardio-pulmonaire ou jusqu'à ce que la victime reprenne une respiration normale. N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime.